Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Vercingétorix, les Arvernes. Alors on s'était arrêté l'épisode d'avant sur ce petit problème. Namnet, Mandubien et Romain. Grosso modo, on avait allié, on va dire tout. Grosse partie sud de la Gaule, presque toute la partie sud de la Gaule, Or et Duin. Et on s'entend mal avec nos voisins du sud. Ce qui serait bien, c'est de choper des alliances avec les voisins du nord, mais ce n'est pas le cas actuellement. On voit que les Mandubiens, ils sont en guerre eux-mêmes contre certaines factions. Il va falloir jouer là-dessus. On a les monomes qui est sous siège. Ça passera pas en résolution automatique, hélas. Je vais devoir envoyer des troupes en renfort. Je sais pas par où elles vont passer. Ouais, ils sont obligés de passer par là, c'est terrible. Là, j'ai de la perte si j'utilise ce chemin. Là aussi, hein. Ouais, le problème en plus, c'est que c'est l'hiver. Donc, je peux pas sortir des routes. C'est terrible, ça. Ah ouais, puis j'ai que ça en troupe en plus. Aïe, 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 aïe. Elle est où la route? Ah ouais, la route, elle fait ça en plus. Bon. Ah ouais, non. Bon. Bah, je vais être obligé de jouer agressif en allant chercher en Batia. Il n'y a même pas de route. Oh, sérieux. Attends, il n'y a aucune route là? Impossible. Parce que là, la seule route, elle va sur Senabom. Attends, mais il n'y a vraiment aucune route pour arriver là-bas? C'est terrible. Alors, je pense qu'il y a des routes. Soif de bataille. Oh punaise, j'ai pas vu ça. Il y a bien des routes. Sauf qu'en hiver, les routes sont fermées. Elles sont fermées. N'ont pas l'air d'être actives. Oh la vache. Je vais. Je vais devoir recruter un général ici, hop. J'ai recruté un général ici et je vais prendre quelques troupes. Je peux pas prendre de guerriers nus forcément. Qu'est-ce que je peux recruter en mercenaire? On va recruter de la noble cavalerie. C'est ce que je vais faire. Hein. Tour prochain, en espérant que ma ville ne tombe pas. D'ici là, j'irai recruter des mercenaires pour la défendre. Là, vous voyez, j'ai arrêté de faire bouger Vercingétorix parce que, en fait, il a des pertes dues à l'usure du froid. Ouais, tout là. Et juste le fait de ne pas le bouger, en fait, ça va pas lui faire faire de pertes. Vous voyez, ça va même le faire. Reconstituer les unités. C'est le déplacement qui fait de l'usure, c'est pas le fait de rester sur place. Bon, bah c'est terrible ça. On était bien dans la mouise. C'est quoi ça? C'est un espion. Ah ouais. Bon, les Namnets ont pas attaqué. Forcément, j'ai de l'usure. Mais. Je vais recruter de la noble cavalerie. Ça. Voilà, ça coûte cher. Je vis pour servir mon peuple. Il suffit de demander. Mais ils vont le regretter.
Ah ouais. Je vis pour servir puissants guerriers de Gaulle à l'attaque. Ok, allez, mode agressif. Ils sont pas des armées auxquelles je tire spécialement. Je vais les relâcher parce que ça va me faire pas mal de pognon. Je suis prêt. Honorez les dieux et vos ancêtres. Je vais aller les chercher. Hein. Voilà, mode agressif. Bien joué. On relâche. 166. Et on retourne. Ah mince, il a passé le fleuve. Le... Je vis pour servir mon peuple. Hop, toi on peut te dissoudre. Oula, 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 j'ai cliqué sur la carte. Ok, Transalpina, là on va faire un enclos bétail, ça va rapporter un peu. Bois de Rosemerta. Ouais, ça a l'air correct. Honorez les dieux et vos ancêtres. Et là on profite vraiment de la double position de Massilia, c'est-à-dire portuaire. Ce qui fait que si on a un siège, on aura beaucoup beaucoup moins de pertes. Et ça prendra beaucoup plus de temps à ce que la ville ne se rende. Qu'une ville par exemple comme Vasio, qui est complètement terrestre. Ok, ils ont gagné un niveau. C'est bien, par contre ça m'embête. Le fait qu'ils soient coincés comme ça. Ok, c'est bon. Ouais, ça, je préfère. Comment puis-je vous assister ? Est-ce qu'il meurt de faim ? Il meurt pas de faim. Après, lui, vu qu'il est en guerre, quand pas mal, je vais essayer de changer mon fusil d'épaule. Je vais aller sur les namnettes. Je vais tout mettre pour l'instant sur les namnettes. Donc là, je vais envoyer les éclaireurs. C'est nommant, les damnettes ils sont là aussi. On y va. La Gaule, oui, il est notre. Ouais. Et on va l'envoyer à Damnetum. Je vais garder lui en. Qui me donne un peu de vision. Je peux recruter un autre d'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais ouais, je peux en recruter. Un champion également. Oh, il y a un bon champion qui m'attend. Ouais. Bon, je profite pour me moucher. Ok, excusez-moi. Les monnaies méta CJ et... Oh, CJ. Par contre il est seul. Il est embêtant lui. Je peux toujours pas y aller, c'est l'hiver, c'est quel mois? Début mars. Début mars c'est bien, ça veut dire que... En avril, il n'y aura plus de neige. Là, je peux commencer à recruter les chasseurs gaulois. J'irai sur Ambatia. Là, je vais hélas devoir établir héritage de l'envol de Catubodua. Et recruter du mercenaire le tour prochain. C'est pas vrai. Heureusement, normalement. Ah, même la garnison elle a pris cher. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. J'ai les Vaucons qui viennent m'aider. Ah ouais, mais ils ont des pertes. Une l'usure leur fait pas du bien non plus. Narbonensis, on est bien. Au niveau de la Transalpina, on va faire artisan de bois, on avait dit. Là, il passe pas pour l'instant. Je me demande si j'allais pas piller un petit peu les
écoute, mais c'est pas intéressant. Honorez les dieux et vos ancêtres. On va passer le tour, on va voir comment ça se passe à Limonum. Je sais pas s'ils peuvent attaquer comme ça en vrai. J'ai mes espions qui avancent. Allez, Damnette attaque. Après, j'ai des balistes. On va faire la sauvegarde. Hop. Et on va essayer de la gagner. Ils vont avoir beaucoup d'engins de siège. Ça en vrai ça me... Voilà. Elle va pas être facile. Elle va pas être facile. Ah oui, surtout vu des pertes que j'ai subies. Tcha. Alors, ils vont tous venir de... Ils sont là, ils ont... Ah, ils ont le 8 engins de siège. Aïe, 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 aïe. Là je peux mettre une baliste, là je peux en mettre une deuxième. Bon. Forcément baliste enflammée. La rafale enflammée je veux dire. Oh. Je l'ai pas senti venir. J'ai des déployables. Ils sont à moitié dans la terre, mais ils y sont. Hein. Ils sont dans le décor, mais ils sont là. Ah voilà. Ok. Le reste. On va mettre ça là, mais. Bah, même pas. Je vais mettre un peu plus derrière. Parce que si je le colle trop, mes unités pourront pas y accéder. C'est ballot. Mes javelots peuvent être enflammés. C'est peut-être la bonne nouvelle. Là, ma question, c'est ils vont arriver là. Je vais le mettre dans le coin. Je pense qu'ils ont un peu plus la portée. Ah non, c'est les frondeurs, j'avais pas vu. Et les frondeurs, on peut les mettre ici. Ils ont plus de portée. Pour le reste, ils ont tous des unités à... Des munitions à lancer. Sauf les guerriers nus. Ils doivent se les peler là en hiver en plus, les pauvres. Quelle idée. Garde. Pour l'instant, je vais mettre tout sur les murs. Hormis eux. Et général. J'ai une unité qui est pas déployée. Ah oui, en plus c'est pas la moins pire quoi. C'est pas la pire, je voulais. Allez, je me mouche un coup et on commence la bataille. Alors, l'objectif, c'est casser un maximum de... Ah, zut. De ça, là. D'engins de siège, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai... petit trop de mémoire d'un coup. Garder les tours à flèches qui puissent faire des dégâts, et là où les engins de siège arrivent à débarquer, temporiser un maximum...
grâce à mes unités de corps à corps pendant qu'ils se prennent les tirs à gogo quoi. Grosso modo j'ai que ça. Ça on va essayer d'économiser à fond de la munition. Au niveau de la portée. Ok ça arrive. Ça arrive jusqu'à là. Sans quelques unités de frondeur. Ok, on est comme ça. Donc il faudrait que je tire genre sur celui-là, je pense. Et à peu près, il va à peu près droit. Il veut pas? Il veut pas tirer. C'est terrible ça. Il veut pas tirer. Mon ami? Ah là, t'as la portée en plus. Voir le jeu manuellement. Là c'est loin, c'est compliqué. Ouais c'est encore un peu trop loin. Ici il y a quoi? Ah ouais, ici il y a ça. Pas si loin que ça. Ouais elles veulent pas tirer les balistas. C'est dingue ça quand même. Et là on est loin. Oui on est loin. Enfin, le pauvre il aura été bousculé par un caillou quoi, il en sera mort. Alors ça va être tendu. Ça va être tendu si, si en plus ça veut pas faire feu tout seul. Ok. La précision faudra revoir mais c'est pas si mal. Je pense que là je suis obligé de commencer à tirer. Oh. C'est terrible. Déjà il est en feu. Ça doit être le dernier. Perfect. On enchaîne. Concentré pour essayer de pas faire n'importe quoi. Et c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. Ah, terrible. Je vais essayer autre chose. On va essayer de faire ça. Ouais, j'arrive à le forcer comme ça, mais c'est pas au fond. Hein. Hop là. Ça va pas passer. Ok, là je vais reprendre manuellement lui. Bon là ça devrait casser celui-là. Là je devrais réussir à le casser même s'il y en a une petite partie qui va peut-être avoir le temps de monter. Ce serait même bien qu'il monte en partie. On va attendre qu'il y en ait qui monte. Là-bas, je vais leur demander de tirer comme ça.
ça c'est les murs. Peut-être un petit peu trop. Je sais pas, ça touche pas. C'est terrible. Ah, c'est terrible les tirs là. Je vais voir si je peux avoir celui-là manuellement. Bon, à défaut là, j'aurais fait un bon. Ah, quoi qu'il est en feu lui, hein. Peut-être moyen qu'il casse lui. Ça c'est mon mur. Ça aussi c'est mon mur. Ça aussi c'est mon mur. Ah mais si seulement il... Ah si seulement ça voulait bien tirer là. J'ai plus qu'une munition, je sais pas si ça va toucher. Ça l'a touché. Bon. Le problème étant... que tout là ils ont réussi à passer, donc je vais rapatrier une bonne partie de mes troupes. Allons voir, j'ai quoi ici. Ok, le but c'est de pas perdre là. La vache, il y en a déjà une bonne partie qui sont passées. C'est de pas perdre les tours à flèche. Ah, mon général il a plus rien. Donc tout le monde à la course. Ah, ça a tendu. Ça bouge pas Non, ça les intéresse pas. Non, 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 faut pas qu'ils s'approchent. Mais il recule, pourquoi il recule? Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Je comprends pas. Ah! Mais pourquoi il... Je comprends pas. Il doit y avoir une zone de non-accessibilité, je sais pas pourquoi. Ça va être tendu, hein. On va surtout marcher les mecs, hein. Et là je vais essayer avec, avec mon général de les flanquer. Battez-vous ou je vous tuerai. Bon, par contre faudra qu'on en parle de leur accent pourri. Là il a fait une bonne charge. Il a tué une vingtaine avec cette charge. Hop, faut continuer à faire de la charge. Si c'est de la cavalerie de mêlée, hop, on les attire en plus, hein, c'est vraiment pas mal. Eux ils tirent comme ils peuvent, mais bon, l'unité forcément. Et on va faire faire, ouais, y a trop d'unités là qui arrivent. Ouais, j'ai eu beau en tuer quelques-unes, et là il suffit de 3 échelles. Maintenez il est où leur général? Il est là-bas. Ah non, je peux pas laisser le général là, il se fait charger. Il se fait charger par des hommes à pied qui sont plus rapides que mes chevaux. C'est pas grave. Je vais passer par là et je vais essayer d'aller les aider là-bas, je sais pas si ça va marcher. Là je temporise au mieux, au moins comme je peux. Ah là il passe, ça va. Bien si j'arrivais à faire le tour peut-être avec mes fondeurs. Bah, s'ils m'ont suivi, mais s'ils m'ont suivi c'est pas spécialement bon pour eux. D'ailleurs j'en ai leur général qui arrive. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Oh là là, oh là. Ah d'accord, il vient. Je peux pas attaquer par là, mes unités sont en train de... Là j'emmène mes frondeurs. Emmenez mon général qui... Mais non. Qui va redonner un peu de morale, on va dire. Ça va être tendu tout ça. Et là toi si je te dis de taper lui, tu vas y arriver. Non. Ah c'est terrible ça. Comment ça? Tu vous l'as dit. Allez mec, vous êtes des unités très légères, vous êtes plus rapides qu'eux. On dirait pas. Sortez.
Bon, ma cavalerie va les attaquer par l'arrière au moins. Ça c'est la bonne chose. Ils sont enthousiastes, je t'en fous. Cavalerie d'élite. Bon bah c'est pas gagné hein. Quand il résiste vraiment aux flèches des tours à flèches là. Retire des tours à flèches. Bon, ils sont attaqués, ça c'est pas mal. Ils ont plus de munitions en fait les profondeurs. Là ça tient pas hein. Cavalerie d'élite. Ouais, elle est perdue. Au niveau du moral, là, ah bah ouais, ça fait boule de neige sur le moral. Ouais. Je fais ce que j'ai pu. Eux, ils font rien, non? Eux, ils font rien. Allez. Ah. Allez, venez au moins à bout de cette unité-là pour l'honneur, les gars. Bon, ce sera ça de prix. Bah non, tu peux pas aller là-bas, il y a du monde. Là, il y a le point de victoire, ouais, bah ouais, forcément. Ah, ils ont un petit... c'est sympa, ça. J'ai pas vu. Bon, on en profite pour visiter, hein. Bon, c'est dommage qu'il y ait de la brume, qu'on n'y voit rien. Faudrait que je les attire, que je leur fasse qu'ils aient un peu de perte en allant genre là par exemple. Via les tours à flèches, on va accélérer. Allez, viens me chercher. C'est un peu en feu là. Pourquoi le village il est en feu alors qu'ils sont ils ont même pas encore eu le temps de rentrer ici quoi. Ah quoique ici il y a deux. Ah je vais aller ici. Ah c'est trop tard. Quelle bêtise. Ah j'aurais dû le voir avant. On peut pas passer par là. Non, bon. C'est la défaite. Bon, ça me permettra d'aller chercher leur route ville. J'ai perdu en général, ça c'est dommage. Ah d'accord, il a pillé. Bon, de toute façon, on a une armée derrière qui va reprendre. Ouais là j'ai perdu un bon général quoi. Je vis pour servir mon là. C'est tout. C'est vraiment tout, il n'y a plus rien. Oh il n'y a plus de mercenaires, c'est terrible ça. C'est compliqué ici. Là c'est toujours l'hiver, hein, on est en avril les gars, enfin. Non, fin mars. Ah ouais. Bah, t'es marrant toi. À vos ordres. Il est temps de grandir. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Un marchand venu du sud est arrivé en désir vendre des encens. Ça va augmenter notre commerce. Voyons voir. Alors que je me sorte de ce bourbrier. Déjà on a un éclaireur qui est envoyé ici. Là il a mis personne en défense. Donc bah, je peux pas m'avancer de suite. Alors, ma question c'est je veux juste savoir quel chemin il prendrait pour y aller. Ok, il prendrait ce chemin là. Donc je vais bien rester sur la route. Apparemment ils ont pas pris la route. Dommage. Comment puis-je vous assister? Toi tu allais. Tu vas par là-bas. On y va. Condate.
N'y a-t-il rien d'autre? Toi. Ok. Il n'y a pas beaucoup de troupes là-bas. Je vais vers Saint-Gétoris qui est bloqué dans les montagnes à cause de l'hiver. Aïe aïe. Ah lui, ça c'est pas cool. Je vais augmenter le niveau lui. On va vérifier que Rome se tient tranquille. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Là je peux toujours pas avancer. Aïe, aïe. Là s'il m'attaque ici c'est la galère. Hein. J'ai pas énormément de garnison. Ouais. Par contre, avec la cavalerie, je suis pas sûr que ça passe hein, son attaque hein, avec ma cavalerie. J'ai beaucoup beaucoup de cavalerie. Il a pas de la bonne unité. Comment ça sortir se battre sur le champ? Ma garnison? Alors renfort, ok, bon. Pourquoi pas? Je vais faire ça. C'est la cavalerie légère, ouais. D'accord. De la lourde et de la légère. Donc ce que je vais faire. J'ai pas le choix, je vais attendre. En mur ici, c'est lui qui attaque, donc c'est à lui de. C'est à lui de venir. Voilà. Maintenant, s'il veut envoyer de la cavalerie contre moi, il n'y a pas de problème. Hop là, qu'ils viennent. J'en ai un affiche. Alors par contre. Je vois qu'il a laissé des unités là. Il a laissé une unité. Mais c'est ça cavalerie légère. Écoute mon ami, si tu envoies ta cavalerie. Si ta cavalerie tu veux pas la faire bouger et que t'envoies tes unités au corps à corps. Moi ça me va. Hein. Tu m'en attraperas jamais avec mes unités de cavalerie, bien qu'elles soient lourdes. Très lourdes. On m'attrapera pas comme ça. Bon par contre la map est un carré. Éviter de se prendre les projectiles, hein, c'est juste ça. Qu'est-ce que... Ah je l'ai pas vu. Maintenant en embuscade dans la forêt quoi. Ouais c'est les jeunes celtes. Ah, ils ont pris une petite charge. Attends mais ils sont combien? Ils sont... Voilà je vois encore des unités là. Ils sont 50 ou... Alors, moi ils étaient 13 hein. Ils étaient pas... Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Leur cavalerie légère, alors c'est juste un truc, c'est... Si, bah j'ai pas le choix que d'avoir des trucs pas ouf. Là, leurs troupes elles sont divisées en deux, hein. C'est tout bénef. Par contre, toi, mon ami, je sais pas si tu te rends compte de ta connerie. C'est que je t'ai tiré sur des tirailleurs. Mec, tu vas te faire fumer, hop, arrêtez le tir. Il faudrait que j'aille forcer la rencontre. Il y a des frondeurs là-bas. Alors les frondeurs apparemment vu qu'ils veulent venir me chercher. Éviter les tirs.
Voilà, ça tirera. Et là, on devrait éliminer tranquillement quelques-unes de leurs troupes. On a éliminé leur cavalerie, on a éliminé 3 de leurs unités. Diviser pour mieux taper. C'est pas ça. Attends, pardon. Ils sont en train de perdre. Attends, les gars, il y a de la cavalerie qui est derrière, quand même. Retrait. Mais comment ça, retraite? Oh là là. Et quoi, ces machins? Hop. Donc je les aide là-bas, il y a des omnibres enrôlés, alors c'est de l'unité merdique. Hein. Pas trop grave. Hop, là, je vais juste reculer un peu. Je vais retirer ma cavalerie. Faut en finir avec eux. Là, il y a quoi? Là, il y a les nobles lanciers. C'est les jeunes celtes. Pour les nobles lanciers, je vais prendre mes. Hop, les unités de frondeur. Pour leur tirer dessus gratuitement. Là, j'ai que de l'unité légère, donc on va les attirer. Et on va partir du front. Le but c'est d'attirer les unités ennemies. Noble cavalerie, faut pas qu'ils restent au corps à corps comme ça. Celte enthousiaste, ok. On va les charger, alors. Double charge. Alors, une bonne charge comme ça. Par devant, mais surtout une autre de côté. Là-bas, ma cavalerie, elle a réussi à tirer du monde. Là, j'ai une autre charge. Si on maintenait, ça devrait être pas mal. Là, je vais faire une autre charge ici, mes tirailleurs, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'ils foutent là? J'en ai besoin pour le général. Là, j'ai fait une bonne charge normalement, mais. Ouais. Là, il faut tout mettre sur le général ennemi. Bien entendu, je fais un interrupteur escarmouche. Là-bas, ça a tenu. Eux, ils les attirent bien. Avec ma cavalerie, je vais passer derrière et je vais les attaquer. Cavalerie qui est très très importante. Hein. Allez, double charge. Allez, là, t'attaques. Je vais me foutre. Vous videz vos munitions. Allez! Allez, ça vide les munitions, les gars. Prêt pour la bataille. Voilà. Guerriers sont à là, je suis obligé d'envoyer ma cavalerie au corps à corps. J'ai pas trop de choix. Là-bas, où ça se rapproche. Aïe. Ah, ils sont pris des tirs. Bon, ça va. Là, tout ça, ils sont pas contents. Hop, cessez le feu. Voilà. Et plus qu'à aller les cueillir. On va pas les laisser partir, moi, je peux vous dire. On va continuer. Et on va les chasser. Hein. Voilà, allez, tuez-moi tout ça. Je vous disais, la cavalerie, ça va jouer un rôle essentiel. C'est vraiment très fort. C'est assez dur à manier parce que bah faut l'envoyer partout et être sur 3-4 fronts différents. Mais c'est fort. Et encore 2-3 fuyards. Allez. Bon, c'est une victoire de justesse, mais ça nous ouvre les portes de notre cité. La cité qu'on a perdu le tour d'avant. Parce que là, il a pris énormément de pertes et il va pas lui rester grand chose. Je me demande, je sais même pas s'il y a encore son général qui est vivant.
Non, deux guerriers celtes. Relâchez, j'ai besoin d'argent. Les Vénètes. Bon, pff. Écoute, hein, on ira chez les Bretons. Hein. On ira leur dire salut les Bretons. Maintenant, vous nous reconnaissez comme étant supérieurs. Tiens, c'est du déjà vu, ça. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Stratège. Je peux recruter une unité de mercenaires. On va aller chercher eux. Ils vont se barrer là-bas, ça m'arrange pas. Allez, allez, mon homme. On va reprendre notre ville. Voilà. Donc on occupe. Ah zut, il a renvoyé du monde. Mais c'est pas grave. Vous allez voir. Hop, toi tu es stratège. Parfait. Et toi tu vas avancer. Et je vais avoir besoin de... Où est-ce que t'es? De toi. Tu vas te grouiller. Et tu vas aller à Varicon. Ensuite, Rome se tient tranquille. Améliorer Massalia, je vais faire une colonie fortifiée. Je vais en avoir besoin. C'est vrai qu'ils pourraient passer par là aussi, ça c'est compliqué. Ah, ils ont pété les monomes, les... J'ai pas vu. J'avais pas vu. Charpentier, non, ça m'intéresse pas. Faire ça, ouais. Mine de rien, les mercenaires, je vais en avoir un peu besoin. Là. Honorez les dieux et vos ancêtres, guerriers. Toi, tu voles bien de la nourriture, toi, tu voles bien de la nourriture, tu vas en voler plus. Toi, tu voles honorez pas encore de la nourriture. Alors, au travail. On va voir à combien ils sont. 7. Ah, ils sont encore bien. C'est pas grave. Ok. J'ai de la vision, par contre là j'ai plus de vision sur tout ça. Ils sont censés être en guerre contre 3 autres factions. S'ils m'envoient tout au bout d'un moment... Bah ils m'envoient tout. Les monomes est assiégé, ça on l'avait vu. Ah, c'est terrible ça. Bon. Là il s'approche mais il va repartir vite. Sauf s'il veut vraiment se battre, il n'y a pas de problème, je lui fais une petite embuscade. Hein. Non, je peux pas. Hop. Là par contre, je vais pas m'embêter. Mode agressif. Je vais libérer. Je vais libérer les Turons. Alors j'aurais bien aimé parce que ça fait partie de la province de Pictavis. Mais je peux pas. je peux pas me permettre de les garder. Là, le tour prochain, je serai là-bas. Parce que le fait de les libérer, ça me fait que je suis en allié militaire avec eux en plus. Donc, on va faire un accord commercial. Donc, ça augmente. On va dire mon influence en Gaulle quoi. Là je sais pas s'ils vont réussir à tenir le tour qu'il faut. Là ce sont mes alliés. Là il y a Rome qui se réveille. J'ai bloqué l'accès. Bataille défensive, j'ai l'avantage. Je peux rien faire. Je peux pas. Recruter non plus.
Là, j'ai pris la ville, donc on va pouvoir aller autre part. Il a pu. Il a comment? Il a ça, ça. Il n'y a pas grand chose en territoire comme de rien. Je vais aller voler des trucs. J'ai d'autres choses à faire. Petite sauvegarde, tiens, ça fait longtemps. Allez, de la nourriture, voilà. Chercher de l'eau. Voler un peu de nourriture. Ouais, bon, les damnettes réattaquent. Je perds un deuxième général. C'est pas vrai, ça. Bon. Non, c'est des tours, c'est pareil. Je vais pas pouvoir casser les. Je vais essayer au cas où, mais j'y crois pas plus que ça. J'y crois pas. Ah ouais, j'ai même pas d'armée de garnison. Ah, terrible. En fait, ma seule condition de victoire, c'est de casser tous ces gens, toutes ces échelles, quoi. Mais bon, bah, il y en a un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, forcément. Ça va par 4. Ah, puis il y a de la pluie. Ah ouais. Ouais, donc en plus mes balistes auront moins de dégâts. Bon. Ça, c'est terrible. Bon. Hop. On va préparer la cavalerie à sortir pour un barreau d'honneur. On accélère parce qu'au début les échelles sont trop loin. Même en feu à volonté, elles font pas feu. Je sais pas pourquoi. Elles tirent pas, hein, les balistes. Je sais pas trop, c'est pas trop leur truc. Là. On va voir, c'est un peu loin. Hein. Ouais, c'est encore loin. Il faut que j'économise au maximum les munitions. C'est qu'il n'y a pas de munitions. On a combien? On a 25. Ouais, c'est pas beaucoup hein, quand même. Je suis pas ton avis. Alors les munitions classiques qui sont censées être beaucoup plus précises que les munitions enflammées. Bon après c'est toujours la théorie. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est limite. Et ouais. Et puis quand ça commence à pas tirer où il faut en plus, vas-y que ça y va. Ah ouais. Alors normalement vous voyez le rond c'est à peu près la zone dans c'est la zone dans laquelle ça censé arriver même avec l'aléatoire. C'était pas du tout dans ce rond là. Bah là non plus, bah c'est terrible. Là ça fait 4 tirs, 5 tirs d'affilée ou ça veut pas. 6. Ah, 6 tirs d'affilée, là j'ai perdu 6 munitions. Là il est pas passé loin d'aller à Petaouchnok. Celui-là aussi quoi. Là il faut je sais pas combien de munitions pour casser en plus. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai utilisé plus de la moitié de mes munitions pour le premier. Bon, je fais un petit barouf d'honneur avec la cavalerie. Voilà, c'est moi qui ai failli tirer à côté. Hein. Ça casse. J'y croyais plus. Hop, dernière munition. Ensuite, on a passé là. Je vais devoir mettre un tir auto là-bas.
sinon il va pas vouloir se tourner pour que je puisse tirer sur celui-là. Il veut pas, hein. C'est dingue, ça, quand même. Allez, on se tourne. Je sais, c'est compliqué, mais on tourne le binouf. Merci. Pas le temps de les laisser monter, faut pas déconner. J'ai pas de troupes. Ça c'est joué à rien. Ok, dans mon mur. Alors qu'est-ce qui va casser en premier, l'échelle ou le mur? Plus d'unités derrière, compris un cadeau là. Une grosse bille de pierre là. Okay. Bon, Astrala, c'est mon mur hein, qui va casser en premier. Putain. Bon, après, tu me diras le fait de casser mon mur, peut-être que ça fera des pertes aussi chez lui. Alors, dégâts à l'échelle 38%. Dégâts du fort 30%. Sachant que le fort est un peu plus costaud que des échelles. Bon allez, je vais faire sortir ma cavalerie, il y a des chasseurs, des jeunes celtes à aller chercher. Vous voulez pas attaquer? Genre... Allez, baron d'honneur les gars. Vous allez y passer, sinon ok, c'est pas trop ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Ils font demi-tour, ouais, c'est très intéressant comme concept aussi. Ouais, ouais, mais les Gaulois fuyards apparemment, c'est terrible. Hein. Ouais, ils subissent un peu de perte, hein, en vrai. Non, vous, là, vous allez aller charger les guerriers celtes. Ça va leur faire du bien, ça va leur apprendre un peu. Voilà, c'est bien. Bonne charge, là, en plus, ils sont légers face à la cavalerie lourde. Eux, je vais les faire re-rentrer. Ça va être tendu, ils vont reprendre les portes. Ouais, faudrait qu'il charge là. Puisse faire un peu de perte là. Purée, mais attends, mais ils tiennent sacrément en fait là aussi. Voilà, là on divise en deux. On divise rien du tout, ils montent quand même. Là, je vais perdre le point. Où est-ce que j'ai une autre porte? J'ai d'autres portes là-bas. Je suis obligé de passer par là. Là, les tours, elles vont... Alors, on commence à tirer sur mes unités. Ouais, heureusement que je me barre. Ah, ils prennent le point de capture en plus. C'est bon. En vrai, j'aurais fait quelques dégâts à ces unités. Non, le problème, c'est que le reste de la province est dans la mouise. Là, j'ai des hommes libres enrôlés. Chargés, j'ai pas le choix. J'ai la cavalerie lourde qui devra arriver après, derrière. Ah ouais, d'accord. Hop. Charger différentes unités, ce serait sympa. Cavalier, avancez! En avant!
Ah là j'ai chargé avec les cavaleries légères. Oh non. C'est terrible ça. Morale en berne. Oh, attendez, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de moyenner comme on dit. C'est pas si mal. En fait, ça va dépendre de mon général. Voilà, je suis au corps à corps avec de la cavalerie. Ils sont confiants. Confiants, et en plus, ils ont le point de victoire. Non, bah non, c'est perdu. C'est perdu, mais je lui ai fait subir plus de pertes que je n'ai d'unités. C'est pas si mal. Bon, je perds un deuxième général, ça par contre c'est très mal. Ça c'est très très mal. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'espère que vous avez pas eu de bruit. Bon, ils ont pillé la ville, etc. Je suis censé avoir des alliés, mais je sais pas trop ce qu'ils foutent. Je vais pas vous mentir, je sais même pas du tout ce qu'ils font. Bon, je vais reprendre la ville. Voilà. Ah, je peux pas, vraiment. Bon, mode agressif. Je vais essayer de tuer son général là. Est-ce que ça va passer? Non, ça va pas passer. Mais occupé. J'ai pas envie qu'il aille sur Mediolanum Sanctum. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. Je peux pas y aller. Là je peux pas retirer cette troupe à cause du front nord. Bah écoute, viens là, je m'en fous. Attends, je suis en train d'y penser. Je peux recruter des chasseurs. Même des balistes? Comment ça? Au rang 1? Ah ouais. En vrai... En vrai, je me pose la question, est-ce que c'est intéressant? Parce que les troupes romaines sont souvent très paquées. Et les balistes font énormément de dégâts sur les unités paquées. Ça peut valoir le coup, hein. On va faire 2, et je ferai des chasseurs gaulois après. Allez, les allobroches et tout. Si vous voulez bien venir. La mettre, ils sont en guerre contre moi, mais ils m'ont du bien là. Ils sont en guerre contre beaucoup quand même. Cons, Ruten, etc. Là. Finalement, ils devraient pas galérer autant. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. Ah, ils ont tout pillé. Ah, les salauds. La tribu. J'aurais dû les libérer. Ah, si tu aurais dû libérer la ville. J'aurais dû libérer la ville parce que... Là, je perds plus. Ouais, bah ouais, bas quartier en un tour, quoi. Purée, ça c'est moche. En un tour, je me chope les bas quartiers. Oh. Pas attendu un peu, quoi. Ici, il renvoie des troupes. Forcément. Ah non, ça c'est mon allié ça. Oh, peut-être que alors. La Gaule est notre mère à tous. Faire un enclos à chevaux. En vrai, de vrai,
Ah non, ouais, celle-là, je la gagne. Et même si je la gagne pas, je leur fais des pertes. J'ai des balistes. Ah, mais c'est César en plus! Qui a eu César, tu vois? Tu aimes perdre contre nous, décidément. Ouais, c'est ça, ouais. Fais rare. Tu vas voir. On va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter sur une préparation de bataille. Pour la prochaine vidéo, donc lundi prochain, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été facile. On a du mal contre les Namnet du fait qu'on est en triple front. On va essayer de gérer tout ça, mais une fois que ce sera géré, je pense que ça coulera un peu plus de sources. On sera stabilisé, plus d'endroits. Et vu qu'on aura la Bretagne et le Nord, on sera sur un front unique. Même si d'autres personnes se joignent à nos ennemis, on sera sur un seul front unique, ce qui pourra aider. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Thiob. Ciao.